Et salut à toutes et à tous, c'est Okrad. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay découverte sur la chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve pour le gameplay découverte de Wavetale. Je sais, j'ai déjà fait une vidéo sur la démo du jeu, mais j'attendais tellement la sortie du titre. Ça sort du coup ce 12 décembre 2022, un petit peu partout, PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, partout, bref, vraiment partout. Ça fait plaisir, j'ai hâte de découvrir le jeu, j'ai un peu d'avance, donc je suis très très heureux. Comme vous le voyez, il est marqué continuer, mais c'est juste parce que je viens de me foirer, très clairement. J'ai lancé l'enregistrement de la vidéo, mais j'ai pas allumé le micro. Bravo au CRAD. Donc on va effacer évidemment la sauvegarde. Ce jeu, c'est un rescapé de Stadia, très clairement. C'est un jeu qui devait sortir à la base sur Stadia. Et qui était sorti même, je crois, sur Stadia, mais qui n'avait pas fait grand bruit, forcément. Stadia, étant ce qu'il est, c'est pas un jeu... Enfin, c'est pas une plateforme qui a vraiment marché de fou. Ils disent que l'océan est... Et on se retrouve après la petite cinématique, on en reparle. Je n'en suis pas sûre. Pour moi, il se termine toujours à l'horizon. Là où l'eau croise la brume. Je rêverais de voir ce qu'il y a derrière cette ligne. Au-delà de notre île et de la place. Grand-mère dit que c'est notre sanctuaire, que le phare nous protège. Mais une partie de moi veut plus. J'ai du mal à imaginer qu'un jour le monde a pu être différent. Qu'on pouvait ouvrir la porte, sortir dehors et juste aller où bon nous semble. Mais c'était avant la brume, avant que la ville sombre, avant que les pattes sales fassent leur apparition et nous arrachent tout ce qu'on possédait. On a toujours un sacré lever de soleil, cela dit. J'imagine que les pattes sales n'ont pas trouvé de moyen de nous en priver. Ah, mademoiselle! Comment ça, mademoiselle? C'est pour une réparation, je suppose. Ouais, c'est pour Ursula au triplet somnolent. Un condensateur qui fuit, ou un truc du genre. Ils m'ont dit que vous sauriez. Elle l'a encore cassé. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire avec? De mon temps, on savait prendre soin de nos affaires. Hé, hey, Sigrid, il y a aussi quelques crabes dans le panier. Bonjour, monsieur Bane. Y'a rien d'autre à faire, Bane? On a du boulot ici. Je devrais y aller. La brume se rapproche. Au fait, Doris, vous avez parlé à quelqu'un récemment. D'après toi, qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? Il paraît que les pattes sales ont été vues autour de la place. Je les ai pas vues moi, mais... T'essaierais pas de me faire une blague? J'aimerais bien. Faites attention, d'accord? J'ai pas attendu que tu sois né pour faire attention, Bane. Allez, ouf! Ça empeste! L'air est complètement saturé de mélasse. Ah, il va nous falloir plus d'étincelles pour tenir cette brume à l'écart. Je m'en occupe. Et n'oublie pas, n'y touche pas avec tes mains, sers-toi uniquement du filet ou... elles brûleront mes mains, exactement comme avec grand-père. C'est pas ma première fois, grand-mère. C'est pas pour autant que tu sais tout, ma crevette. Moi, je te le dis. Alors, qu'est-ce que tu attends? J'ai vu des étincelles sur la plage tout à l'heure. Jette aussi un œil à la fontaine et au mémorial de ton grand-père. D'accord. Il en reste qui traînent dans les recoins du phare. Ne laisse pas prendre la poussière. Bon, comme vous l'entendez... Il y a une VF. Et ouais. Et ça, bah ça fait grave plaisir. Vraiment, vraiment plaisir. Oui, je sais comment on attaque. Ça fait grave, grave, grave plaisir. VF qui est très, très bonne. Enfin, que pour l'instant, très solide. Sur la démo, c'était déjà le cas. Donc, bon, il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas ici. Je vous invite à revoir la vidéo de la démo, d'ailleurs, si vous voulez. Et si vous aimez ce jeu, bah écoutez... On va faire un truc. Parce que moi, c'est clairement un jeu où je me dis, je pourrais très clairement faire un let's play dessus. Vraiment. Je pourrais sans aucun problème faire un let's play là-dessus. Parce que je kiffe le jeu, je kiffe l'ambiance. Vraiment, je me vois y jouer pendant des heures en let's play, en vidéo. Aucun souci. Et ben, c'est simple. Si cette vidéo atteint, allez, à combien je pourrais fixer? Ça reste un jeu indé. Donc, on va mettre quand même la barre un peu haute pour un jeu indé. Si cette vidéo atteint les 70 likes, 70, ça va, correct. Et ben si ça atteint les 70 likes, je ferai un let's play dessus.
Voilà, tout simplement. J'ai pas oublié le let's play sur Sword and Fury. Hein, mais, comme il y a des rumeurs d'une traduction officielle française, je vais pas m'amuser à traduire le jeu moi-même, alors que peut-être il sortira en français dans quelques mois. Donc j'attends, sagement, et dès qu'il y a une trad française dessus, on le fera. On le fera, promis. Là, vraiment, c'est que du plaisir en ce moment, donc... Grand-mère, pourquoi il n'y a pas de stèle pour maman? Les stèles sont pour les morts. Mais elle a disparu depuis tellement... Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Arrête de papoter et va récolter. Ok, on va aller récolter. Mais ouais, je l'attendais de dingue ce jeu. Non. Pourtant, à la base, c'est pas un jeu que je connaissais. Je veux dire, c'est pas un jeu que je surveillais depuis des années, etc. Moi, ce qui sortait sur Stadia, je vous avoue que je calculais pas, parce que je savais très bien que j'aurais pas pris un truc en cloud gaming. Ça ne m'intéresse, mais alors, pas du tout. Mais alors, vraiment, pas du tout. C'est pas du tout ma cam. Le cloud gaming, pour moi, j'en ai rien à cirer. C'est vraiment, vraiment pas mon truc. Par contre, en revanche, quand il y a des jeux comme ça de Stadia qui arrivent après ailleurs, bah pourquoi pas, parce que ça veut pas dire que c'est pas parce que c'est sorti sur Stadia que le jeu est mauvais. Et quand j'ai testé la démo sur le Steam Fest là, j'ai fait non mais attends. C'est fou. Juste pour les étincelles, j'étais. Tu sais ce qu'il peut arriver si tu vas dans l'eau. C'est pas pour rien que personne ne va nager, tu sais. Si tu mouilles plus que tes pieds. Je sais. Voilà. Donc je disais. Depuis la démo, je l'attends comme un dingue. Je ne pouvais plus faire autrement. Ah, ça devrait aller. Avec cette brume en approche, on a besoin de beaucoup d'énergie. Grand-mère, c'était quoi cette histoire avec les pattes sales? Ah, oh, j'aimerais tellement que tu vives dans un monde où cette vermine n'existe pas. Ils sont vraiment de retour? Si c'est vrai... Il faut se tenir prêt à verrouiller les écoutilles. J'ai un mauvais pressentiment. Le faisceau du phare aurait déjà dû la repousser. Pourquoi est-ce que... Grand-mère! Monsieur Vane! Sigrid! Sigrid! Ne reste pas là! Tellement stylé. Tellement stylé. Et voilà, là on arrive vraiment dans le vif du sujet. Oh, c'est incroyable. La DA elle est intestable. J'avais un peu peur, pas peur. Je me demandais comment ça allait tourner sur console. Et finalement, je me rends compte que ça tourne très bien. En tout cas sur Series X ça tourne très bien. Je pense que ce sera pareil sur PlayStation 5. J'avais encore
Par contre, si jamais vous le faites sur Nintendo Switch, n'hésitez pas à me dire comment ça tourne. Parce que je suis très très curieux de savoir comment ça tourne sur Nintendo Switch. Oh, attention. Vaincre les monstres. Allez, on y va. On va aller vaincre les monstres. Où sont les monstres? Je crois que j'en ai... Ah, j'en ai vu un, là. Qu'est-ce que c'est? Grand-mère! Tac. Attention. Bim! Oh, il y en a un gros, là. Oh, Iris, attends! Tu es blessée? J'ai vu... C'était... Ça ne présage rien de bon. Je n'aime vraiment pas ça. Si c'est ce que manigance les pattes, alors... Oh, tu es toute pâle, ma grande. Oh, c'est juste... comment dire... C'est Anita? Est-ce qu'elle a chaviré? C'est pas le bateau. Viens voir. Recule, Siggy! Je vais sortir le harpon! Non, et... c'est pas dangereux. Ça m'a aidé à te sauver. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, en fait... regarde. Sigrid, mais t'es devenue folle! Il nous faut plus d'étincelles, grand-mère. Je peux aller en chercher. Il n'en est pas question! Je risque rien, je te le promets. Et techniquement, je suis pas dans l'eau, mais dessus. On n'a pas le choix. Ah, oh, d'accord, très bien, vas-y. Mais ne t'y habitue pas trop. Ok, bon. Alors, les étincelles... Ah, on peut surfer plus vite, oui, j'avais oublié ça. Oups là ! Mais qu'est-ce que tu es ? C'est incroyable, incroyable. Ce feeling... T'es arrivé en même temps que ces monstres. Mais d'où ? Yaha ! Allez, les étincelles, on va les chercher. Après ça, je l'avais déjà fait dans la démo, donc pour l'instant, ça va. En plus, les combats sont vraiment pas compliqués, hein, sincèrement. Alors... Là. Ah ouais, le feeling, il est tellement bon. Il est terrible. Terrible, terrible, terrible. D'alimenter une machine pareille. Tu vas pas aller loin avec ça. Yeah. Ok, là, il y a de l'étincelle. On y va. Là, je sais plus après s'il fallait encore en choper. Oui, je pense que oui. Je ne sais plus. Si, je crois, hein. Je ne crois pas. En tout cas, pas ici en haut. J'en ai loupé une, alors. Ah, peut-être plus bas, ouais. Je crois que j'avais fait la même connerie dans la démo, en plus. Je fais exactement les mêmes bêtises. C'est rigolo. De voir qu'on ne se refait pas. Alors que c'est le même jeu. Voilà. Alors, je suis surfeuse, moi aussi, t'inquiète, je comprends la liberté ressentie sur les vagues. C'est un filet à étincelles. Si tu cherches des étincelles, j'en ai vu une belle sur la tour avant la vague. Tu devrais pouvoir l'attraper. Trouve juste un truc pour t'agripper. Ok, bah, c'est ce que j'ai fait. J'avais fait pareil la dernière fois, ouais. La même bêtise, exactement la même. Bon, allez, let's go. On va de l'autre côté. Yaha ! Regardez, mais cette sensation, quoi, de liberté. J'adore ça. Il y a un petit côté... satisfaisant à la journée, mais avec des combats et tout, je trouve ça trop trop cool. Vraiment, le jeu il est intestable. Intestable.
Qu'est-ce que c'est c'est plaisant de ouf. Regardez ça. J'adore. Vraiment, j'adore. C'est incroyable. Hop. Viens là, toi. Hop là. Ah, je vais pas faire deux fois la même bêtise. Je vais d'abord récolter les étincelles. Et ensuite, je vais grimper. Là, je peux grimper. Hop. Hop. Tac. Et en haut. On en a encore une ici. Et voilà. Paf. Impec. Il me reste encore la grue du coup. Et bah let's go. Ya. Ah ouais. Incroyable. Pas encore. Arrête de me presser comme un citron. Ouais, mamie, arrête de presser comme un citron. C'est que tu me mets la pression. Est-ce qu'au moins tu sais ce que c'est un citron? J'ai juste entendu Bane dire ça un jour. Oublie. Qu'est-ce qui t'arrive à parler de fruits de cette manière? T'es sûr que ça va? Bien. On a encore le droit de parler de fruits, mamie, alors? Pour que tu te presses trop le citron. Possible, ça. Alors, on est à la grue. De mémoire, il y avait des ennemis, je crois, ici, non? Peut-être pas. Hop là. Donc là, on a ce qu'il nous faut. Hop, des petites étincelles. Ok. Tac. On grimpe. Nice! Regardez-moi cette belle étincelle. Je vais quand même regarder de l'autre côté. S'il y a rien, mais je pense pas. Ça se casse, ça? Non. Pas le propos du jeu, mais bon, après j'aime bien voir quand même. Hop là! Ouf! Et on a récupéré. Allez, let's go. On y va à fond de balle. Ah ouais, il est incroyable le jeu, vraiment incroyable, le feeling. Et je me souviens, la démo, elle se coupait juste là après avoir rempli le réservoir. Donc là, je vais enfin voir ce qui se passe après. C'est un grand moment pour moi, hein. Vraiment. Vous savez, quand on a des jeux comme ça qu'on attend, où on a un véritable coup de cœur sur la démo, on n'a pas envie que le jeu final se loupe. Non, ça casse pas, vraiment. J'aurais essayé. Du coup, j'ai fait une bêtise là, je me suis trompé d'endroit, non? Non, c'est là. Enfin, je crois. Si, c'est là. Hein. Oui, ok. Ok. Alors? Ah! Oui! Aller sur la place. On dirait bien qu'on a réussi à repousser la mélasse jusqu'au-delà de la place. Il va nous falloir plus d'énergie pour libérer le reste des îles. Ces trucs huppés de la place devraient avoir plus d'étincelles. Ces types, pardon. Tu as intérêt à garder le rythme, parce que je vais pas te laisser me ralentir. Parce que je peux venir ? Ah, va pas en faire des caisses. Si mes vieilles guiboles me le permettaient, je m'en chargerais. Maintenant, t'es mes guiboles. Alors tu fais ce que je te dis. Ok. Donc on peut voir la carte. Très bien. Et on va devoir aller à la place, donc. Ok. Allez, mamie! 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 Dans le bateau! Mamie! Allez, mamie! C'est parti!
Alors, je peux très bien aller sur le bateau, mais je suppose que je peux aussi aller dans l'eau et y aller tranquillement. Bon, là, on va se laisser un petit peu... On va se laisser transporter un peu. Ok, très bien. On va se laisser un petit peu transporter, ça fait plaisir. Admirer un peu le jeu. Non, franchement, je suis très très content. Très content de cette sortie. Oula! Bon vent. Yeah! Tac! Wouhou! Excellent! Regardez, regardez! Yeah! Oh là, il y a des monstres. On y va. On va aller voir Monsieur Bane. J'ai vu des gens à l'intérieur. Je pensais que j'étais cuit, que la mélasse m'avait rendu fou. Mais tu es là, tu m'as sauvé. Je veux te donner un truc en remerciement. Suis-moi. Ok. Ah, nice. On va pouvoir changer de tenue et tout. Excellent. Chapeau. Des tenues. Et... Oh, excellent. Incroyable. Trop bien. Je trouve ça trop cool. C'est pas grand chose. Encore une fois, voilà, c'est vraiment, vraiment pas grand chose. Attendez, j'ai rêvé ou... Il y avait bien la tenue cochonou, hein. Ah ouais, ah, celle-là, elle est bien. Yeah, la petite nappe cochonou en tenue, là, très très bien. Eh bah, excellent, ça. Excellent. Bien sûr, monsieur, avec plaisir. Par contre, j'ai pas été récupérer ce que je voulais, donc je vais y retourner. Hop là, j'ai fait des bêtises. On va faire péter la mélasse. Tac. Donc là, évidemment, je peux courir, hein, comme je le fais sur l'eau. Enfin, je cours pas sur l'eau, mais vous avez compris. Pour accélérer le pas un peu. Est-ce que là, je peux y faire quelque chose? Excellent, ça! Oh ouais, les trucs de voyage rapide, c'est mortel. Ya, toboggan inversé. Wouh! Allez, 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 allez! Wouh! Je t'ai entendu l'appeler. Sigrid, si tu dis un mot de plus, on reste... Wouah! C'est excellent. Franchement, j'ai rien à dire. Ah, je suis tellement ravi, là. C'est le coup de cœur, hein, vraiment. Pas si mal. On mange du crabe, on regarde les vagues. Ce que je veux dire, c'est qu'on devrait juste en profiter. Mais pas grand-mère, ça, non. Tout ce qui pourrait avoir l'air intéressant aujourd'hui était apparemment mieux à l'époque. Elle passe son temps à ressasser. On avait la dent de lion, avant la guerre, à l'époque où ton grand-père était encore en vie, blablabla. Bla, bla. La guerre a eu lieu, grand-père est mort. Avec elle, j'ai vraiment l'impression que mon avenir est déjà dans le passé. Ah, c'est tellement beau. Tellement beau, tellement beau. Et je pense que ça va être intestable au niveau du discours aussi, au niveau de la morale du truc. Ah ouais. Ça risque très très bien d'être le coup de cœur de cette fin d'année 2023, je pense. Volante, la botte secrète des pattes sales durant la guerre. Nous parlerons de cette espèce de phoque. Wouhou! Allez, let's go. Je vois qu'il y a encore un toboggan inversé. Là, j'adore ça. Je trouve ça tellement jouissif. Allez, hop. Tac. Et tac. Wouhou! Alors, il y a des petits problèmes de caméra, hein, par moment, on va pas se le cacher, surtout dans les toboggans, mais après, comme c'est des trucs qui sont automatiques, je veux dire, une fois que j'ai fait ça, bah, ça glisse tout seul. Donc, bon, que la caméra parte en sucette, c'est pas dramatique, c'est juste dommage, un petit peu.
Ah, je peux les attraper comme ça, d'accord. Avec mon grappin, là. Hop. Voilà, plein de petites étincelles. Plaisir, quel plaisir, quel plaisir, je m'éclate. Je vais pas faire une vidéo découverte trop longue, mais au moins voir un petit peu ce qui se passe après la démo. Je voulais voir absolument ça. Hop là. Ah, c'est joli ici, hein. Oh, wow. Attendez, je vais juste aller chercher ça. Hop. Et hop. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? Nom d'une cascade, où sont les gens? Plus là, englouti par cette satanée mélasse. Et ça t'a pris ton énergie aussi? Oui, j'essaye de réparer tout ça, mais j'ai de la difficulté à réparer. Les tours sont toutes fermées, impossible d'y entrer. Pourquoi tous les gens qui restent sont complètement inutiles? Siggy, essaye de trouver les étincelles dans le coin. Je vais m'occuper de ces câbles pour essayer d'alimenter les tours. Ok. Ok, mamie. Explorer la zone, en quête d'étincelles, allez, let's go, boum, petit plongeon, on avance. Oh là, quel régal, quel régal. Allez, viens là, toi, bam. Toi aussi, bam. Oh, y a pas qu'un peu de la mélasse, là. Yeah. Trop pépère, là. Est-ce que t'as vu où est passé mon frère, Terry? On cherchait de la ficelle pour faire des filets de pêche. J'ai entendu un cri venant de la mélasse, donc je m'inquiète. Tu pourrais le trouver pour moi? Oui, bien sûr. On m'appelle Okrad, le faiseur de quête. Hop. Tac, tac. Ah oui, bah, une belle mélasse, là. Dis donc. Ah bah non, il est même pas dedans. J'ai cru qu'il serait dedans, mais pas trop, non. Peut-être là-haut. Ah oui, peut-être là-haut, ouais. Il y a des chances. Ta-ta-da, on plane. Ya. Hop, l'hélicoptère. Oh, 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 non, Okrad. C'est la boulette. Oh là là, quel boulet alors, mais c'est pas possible. Décidément. J'y arriverai jamais, hein. À faire une vidéo sans un fail ou sans un truc, j'y arriverai jamais. C'est horrible. Horrible. Bon. Alors, voyons voir. Oui, c'était là. Tac. Et non, pas c'était là. Ça n'a rien à voir. Tac, 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 tac. Allez, ce coup-ci, je me loupe pas. Voilà. Proprement, on y va. Hop. Ah oui, là, il y a de la mélasse. Très bien, on active ça. Il y a un ascenseur. Je l'emprunte. Eh ben là, non, j'ai pas trouvé son frère. Hein. Alors, pas du tout. Il doit pas être ici. Il doit pas être dans ce coin-là. Yep. Ah, peut-être là-bas. Je vois une petite île. Peut-être là-bas, ouais. C'est possible. C'est carrément possible. Et casse-toi, toi, vilain. Pas beau. Ok. Ok, viens là, toi. Bam, bam. Bon, le système de combat est simple, mais efficace. Hein. Après, c'est pas le propos du jeu. C'est pas un jeu... C'est pas un action RPG non plus, quoi. Ah, bah voilà. Tu l'as vu toi aussi ce monstre? Juko et moi on va l'attraper. Il nous faut 3 grosses pelotes de ficelle pour faire un filet. Tu peux nous aider? Ok, faut que je trouve de la ficelle. Très bien. Et voilà, c'est pas... Enfin, le système de combat, c'est pas le propos du jeu. Vraiment. On n'est pas sur un jeu de ce type là. Après... Ah, il y a de la ficelle là. Après voilà, hein... Si on a un méga système de combat, c'est bien aussi, mais là, ça va, il est juste efficace. Il est pas mauvais, il est pas bon, il est efficace. Il fait le taf, on va dire. C'est vraiment... C'est basique, quoi. Vous attendez pas à faire des combos. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on va pouvoir faire vraiment des combos de ouf malade. Tac.
Tac. Et on grimpe. Oui. Nice. On a pas mal d'étincelles. Youhou. Et je vais donner, hop, les petites pelotes à Jean-Pierre, là. Merci pour ton aide. Juko et moi, quand on sera rentrés dans l'histoire comme les sauveurs de la ville, je m'assurerai qu'on parle de toi aussi. Enfin, si j'y pense. Est-ce que t'as vu Astor venant ici? Elle surfe autour de Ville Rivage. T'es peut-être passé à côté d'elle. J'ai pas le béguin pour Asta... Pour Asta, pardon. Mais si c'est à quoi tu penses... Non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Bref, je veux pas en parler. Très bien. Merci, donne-moi ma récompense de quête. Fait plaisir. On va avancer là-bas. Wouhou! Let's go! Non, le jeu est super plaisant. Hein. Vous allez dire que je me répète et tout, mais en fait, c'est ça. C'est souvent ça, quand j'ai un coup de cœur, après, j'arrive pas à passer à autre chose. Et me dire... oh là là... J'ai trouvé ça comme défaut. Non, quand j'ai un coup de cœur, j'ai un coup de cœur, quoi. Là, on est en plein dedans, donc... je l'avais déjà eu avec la démo, mais là, ça se confirme, ça me conforte dans mon idée que... c'est pas un mauvais jeu du tout. Et que c'est plutôt un jeu solide qui va beaucoup me plaire. Qui fera peut-être partie de mes coups de cœur. Qui sait. Hop là. Je casse les trucs quand même parce que des fois il y a des objets derrière, mine de rien. Des fois il y a rien. Mais des fois il y a des trucs. Donc autant s'en assurer. Et ne rien louper. Hop. Hop hop. Ah, et il y a des monstres là. Voilà. Tac. Parfait. Ah, il y avait encore de la mélasse en bas, j'avais pas vu. Je vais aller me la faire après. Je sais pas si c'est très utile de tout enlever, mais bon, dans le doute. Ok. Ok. Encore un petit ascenseur ici à prendre. Allez, let's go. Ah. Oui. Allez, je vais finir la mélasse en bas. Elle est là. Ouh. Bam. On ne sait jamais. S'il y a quelque chose... Bon, il n'y avait rien. Non, il n'y avait rien. Ça servait pas à grand chose. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait quand même. J'aime bien, j'aime bien. Oh là là! Alors là, à mon avis, je prends un chemin que je ne suis pas censé emprunter à la base. Je le vois un peu comme ça, mais bon. Ça fonctionne, ça fonctionne! Par où je passe ici? Ah bah là! Une sorte de terrarium ou je ne sais pas. J'ai vu un monstre, hein. Par contre, faut que je me méfie. Je l'ai vu traîner. Ah, il est là! Oh, deux! Casse-toi. Vilain! Ok, donc je pense qu'ici c'est une zone un peu bonus. Rien pour la quête principale, en tout cas. Pour le moment. On va aller là. Hop. Wow. Là, il y a du monstre. Là, il y a ce qu'il faut. Bam, bam. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ça m'a l'air ok après. On va aller voir un peu à l'intérieur. Non, je vois personne. Enfin, je vois rien. Il doit bien y avoir un moyen de grimper ici, non? Par l'extérieur? Ah, il y a moyen. Ouais, je pense que c'est ça. Avec les pylônes autour, là, il y a quelque chose à faire. Non.
Doit bien y avoir un truc pour grimper quelque part, non? Ah, peut-être ici. Ah bah non. Je vois bien ce qu'ils veulent me faire faire, mais... J'arriverai jamais jusque là-bas, quoi. Et non. Après, si je peux rebondir là et faire un double saut en plus, pourquoi pas, hein, mais... Mais je ne pense pas, hein, non. Bon alors, attendez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah. J'ai loupé une bébête? Ah oui, j'ai loupé une bébête. Ah oui, j'ai loupé des bébêtes même. Plein de bébêtes. J'étais pas venu ici. Ok, il y avait une autre zone à faire avant alors. On sent que m'est-il arrivé, tout est devenu noir. Qui es-tu? Je m'appelle Sigrid, la petite fille de Doris. Doris? Ça fait une éternité que je l'ai pas vue. Qu'est-ce qu'elle est devenue en 15 ans? Elle a trouvé de quoi s'occuper. Bah, je me trompe ou tu es venu ici sans l'aide d'un bateau, comme c'est étrange. Je vais pas t'en demander plus, c'est pas mes oignons. Mais tu pourrais peut-être m'aider. Je cherchais des bricoles pour mon fils quand la mélasse est arrivée. Il travaille dur sur l'émetteur à étincelles et il m'a envoyé récupérer 4 marteaux. Pas sûr que ce soit si pratique. Oh, je suis pas bricoleur pour un sou, mais je suis sûr qu'il sait ce qu'il fait. Pourrais-tu m'aider? Alors, récupérer des marteaux. Là, boum. Attends, mais pourquoi je peux pas choper l'étincelle, là? Chelou. Ah, attends. Va-t'en, toi. C'est trop bizarre, je peux pas y aller. Genre... Ah ouais, ok. Bon, j'ai l'impression que là, il y avait un petit bug. Un petit bug. Mais là... Chelou. Trop bizarre. Bon, je vais grimper à l'ancienne. Hein. Bon, on m'autorise pas à grimper avec l'ascenseur, je grimpe autrement. Hein. Bon, allez, ouais. J'ai l'impression que tout est en panne, là. Là. Si j'arrive à atterrir là, pile là sur le truc, voilà. Il y a peut-être moyen que... Non ! C'est trop juste. Je suis deg. Ouais, là, on peut pas. Oh, attends. Ça doit bien être possible. Attends. Faut que je millimètre mon saut. Ah, mais attends. Là ? Eh oui. Eh oui, au crade. Ça reste un peu juste. Non, c'est trop juste encore. Là. Là, il y a une faille. Au crade. Là, il est en train de prendre un chemin au crade. C'est pas du tout le bon. Mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien. J'aime bien prendre les chemins peu conventionnels. On peut décider de prendre les ascenseurs, mais on peut aussi... décider de faire ça. Et voilà, maintenant l'ascenseur fonctionne. Et ben voilà. Il suffisait de demander. Bon, par contre, faut pas se ramasser entre deux, parce que là, t'as les boules. Alors, t'as fait de la grimpette un peu partout. Allez, moi, dès que les jeux m'autorisent à faire ça, à un petit peu gruger sur le décor, etc., c'est fini. C'est fini. Ah, beau petit monstre là, viens là, toi. Oh, il y en a pas mal, hein. C'est bien, j'aurais récupéré... Ah non, il me manque encore un après celui-là. Il me manque encore un marteau après pour papy. Il doit être tout en haut, évidemment, je suppose. Hein. Hop. Ok. On va aller là-bas. Tac. Tac. Et... Tac. D'accord. Là, j'ai peut-être fait des conneries. Hein. En vrai, je pense que j'ai fait des conneries. Hein. Là, je vais en face comme un dingue, mais ça ne sert à rien du tout. Je n'y arriverai pas. Ah, quoique. Ah, j'arriverai là. C'est déjà ça.
Ah mais là, je gruge le jeu de partout. Hein. C'est pas bien. C'est pas bien, mais... C'est pas non plus mal, quoi. Chacun fait le jeu comme il l'entend, au final. Parce que là, si je fais ça, maintenant, les trucs du côté de tout à l'heure, là, que je voulais atteindre, je vais pouvoir les atteindre, sans aucun problème. Sauf que maintenant, si je veux repartir en face, je l'ai dans l'os. Totalement. Totalement. Bon. Après, voilà, on va pas non plus éterniser, ça fait déjà 40 minutes, ça va faire long. Je vais donc vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. J'espère que cette découverte vous a plu. Et si c'est le cas, évidemment, pouce bleu, commentaire, qu'est-ce que vous pensez du jeu? Est-ce que c'est un jeu qui pourrait éventuellement vous intéresser ou pas du tout? Moi, clairement, c'est le coup de cœur. Pour le moment, après attention, c'est un gameplay découverte, ce n'est pas un test, je préfère le dire. Ne confondez pas, des fois on peut avoir un coup de cœur sur les premiers instants et être déçu par la tournure que prend le jeu. C'est carrément possible. Donc surtout, faites-vous votre propre avis. Il y avait une démo sur Steam, je ne sais pas si elle est encore dispo. Si c'est le cas, attendez, je vais regarder vite fait. Est-ce qu'elle est encore dispo cette démo? Oui, il y a une démo sur Steam, donc si vous avez un PC, n'hésitez pas à tester la démo. Au moins, ça vous donnera une petite idée. Voilà. Ce sera pas de refus, je pense. Et si vraiment vous trouvez que le feeling est bon, le gameplay est bon, que ça vous plaît, bah là, allez-y, foncez. Foncez. Mais voilà. Moi, en tout cas, pour le moment, c'est toujours le coup de cœur. Même après la scène de la démo, c'est toujours le gros coup de cœur. Donc je vais me faire ça tranquillement. Sauf si la vidéo atteint les 70 likes, ce dont je doute très fortement. Mais si ça atteint les 70 likes, eh bien écoutez, on continuera cette aventure ensemble. Voilà. Je vous dis donc à tout bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao. C'était Ocrade. Et comme d'habitude, eh bien vivez à fond votre passion de gamer, évidemment. Ciao, ciao les amis. Et à la prochaine.